Bonsoir, bonjour à tous plutôt. Enfin bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce stream Topori pour un nouveau jeu, tout simplement. On va s'amuser avec autre chose que Isaac et on va commencer Rogue Legacy un petit peu pour voir ce que ça donne. Même si mon ami Oli m'a bien spoilé, en fait. En y jouant lui de son côté, j'ai un peu regardé. On va voir ce que ça donne quand moi j'y joue. Et on va tout de suite lancer. Alors j'ai juste lancé évidemment la partie en attendant de savoir comment ça allait fonctionner. Alors, déjà si je savais... Oui, la résolution, bon, soit. Peut-être baisser un peu la musique, augmenter un peu le son. Les contrôles, quels sont-ils? Le D pour attaquer. Le A, ah oui, peut-être. Voilà, changeons de QWERTY. Le dash, et voici, ça devrait être bon. Et voilà, parfait. Donc allons-y. Peut-être que je finirai par sortir la manette. Nous voici donc avec un petit chevalier. Ah, le premier ennemi. Le premier ennemi qui se laisse tuer comme un sac à merde. Eh bien ça, on est d'accord. Très très bien, cassons pied. Le tutoriel donc, évidemment. Alors, attendez, je vais y arriver, voilà. Oh, regarde, quel skill, quel talent. Quel destructeur aussi. Quel sacré sac à merde. Et le roi. Oh, je ne vais pas l'attaquer, je n'ai pas envie de le tuer. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Je vais devoir commencer le jeu par un assassinat. Ah là là. C'est terrible, c'est terrible. Peut-être devrais-je y aller à la manette. Hein. On va tester au clavier, on va tester au clavier. Et si jamais ça ne va pas, eh bien... On fera autre chose. Alors, j'ai a priori... zéro thune. Le training du mi. Demi. Et entrons dans le château. Le premier château. Le Castle Emson. Et eh bien, la carte. Merci et lisons le premier. Première page du journal. Trahison. Un assassin a trouvé. Ah, pardon. A blessé mon père, le roi. Pour ramener l'ordre dans le royaume. Il a envoyé
mes jumeaux, mes semblables et moi-même faire une quête pour le sauver. Ensemble, nous allons nous aventurer dans les bois. Cursed, les bois. Je perds déjà mon anglais, c'est terrible. Les maudits bois, les bois maudits. Et entrer dans le château Hanson. Ce château maudit, une fois encore, s'est tenu à la frontière des bois depuis des temps immémoriaux. Mais les rumeurs disent qu'à l'intérieur de ces murs, un objet... se trouve un objet qui soignera sa maladie cette nuit. J'irai en avant avec mes frères et mes sœurs. Cette force. Ah oui, et commencer ma quête pendant qu'ils se seront couchés, endormis. Ah, c'est terrible. Rater cette quête. Échouer à cette quête serait un embarrassement pour mon nom. Ah, la pression de suite. Vais-je arriver à ne pas mourir vite? Oh là là, c'est terrible. Première attaque. Alors évidemment, récupérer le maximum de thunes, c'est mon objectif, c'est le but dans ma vie. Saloperie Dieu. Un peu de vie. Ça tombe bien, j'ai fait le sac à merde. Ah, des sous, magnifique. Magnifique, des sous, magnifique, je me prends tout ce qui bouge. Ça, c'est sport. Ah! Explorons, va-t-on trouver un petit Casper? Un petit Casper, je me fais toucher comme une merde. Ah oui, je vais crever. Première salle, je vais crever. Deuxième salle. Ah oui, le tableau magnifique. Et maintenant, le lance-roquette de merde. Les doubles lance-roquettes de merde, pardon. Oh, le retour du Casper. Et le décès, Sir Lee, qui a été tué par un Flamelock, c'est terrible. Et la forêt est toujours à la droite du château. Petite indication. Les différentes runes. Eh bien, choisissons. Notre légitime héritier. Entre Priscilla, reine du désert, évidemment. Qui est un knave. Qu'est-ce donc un knave? Un héros risqué, des stats faibles, mais qui peut lancer, qui peut infliger de dévastants coups critiques. Hypergonadisme. Ectomorphe. Ah, you're skinny. Donc on vole facilement, oui. Et le sort, le chakram. Un chevalier. Lady Blair. Une chevalier. Chevalier. Et Lady Antoinette. Alors, les traits. EHS, you conduct electricity very well, really well. Mais on est endomorphe, c'est-à-dire un petit peu l'inverse de Lady Priscilla. Et donc on aura du mal à se faire bouger. Oh. Alors que Lady Antoinette, elle ne connaît pas la douleur. Allez, je vais prendre Priscilla, reine du désert, j'ai envie. Et oui, je veux bien. Je vais débloquer, évidemment, le forgeron qui pourra me construire mon équipement, et ça, c'est bien.
Je n'ai malheureusement. Est-ce que j'ai encore assez d'argent pour acheter autre chose? Oui. Et je crois que je vais évidemment acheter un petit peu de vie. Ah, de quoi changer les chevaliers en paladins. Très intéressant et eh bien ma foi. Bienvenue, héros. Peut-être peux-tu m'aider? Or, j'étais parfois. Je fus l'un des plus grands forgerons de toutes les terres, mais un jour, les monstres de ce château m'ont attaqué. Plutôt, ont attaqué ma boutique, ma forge, et ont volé tous mes plans. Sans ces plans, oh, je ne peux faire que de la merde. S'il te plaît, rapporte mes plans. Comme ça, je pourrais te construire le plus incroyable de tous les équipements. Jamais. Bon, contre piécette. Bon, quand même, faut bien vivre. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Le Squire's World, qui fait un petit peu plus de dommages. Malheureusement, on est pauvre. Et ça c'est fort dommage. Ça c'est fort dommage. On est bien pauvre. Pourrait se construire des petites chaussures, des chaussons, un petit casque. Bref, avançons, avançons. Tu dois payer le prix, tu dois payer le péage. Ah, mais écoute, je vais bien te donner 0 piécette. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager. Et donc forcément un nouveau château. Et on va c'est régulièrement repartir sur de nouveaux châteaux. On va essayer d'éviter ces maudits Casper. Je n'ai pas le dash malheureusement. Et je me loupe encore dans les touches. Peut-être vraiment passer à la manette, ça serait peut-être pas con. Ah, dommage, 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 je me suis fait toucher comme un caca. Par un os. Un petit critique entre les deux yeux, ça fait toujours plaisir. Les Casper le retour. Ah oui, bien joué, bien joué. On est vigilant, on reste solide sur son bénouze. Malheureusement, malheureusement. Voilà, 2 PV, 2 PV, vais-je survivre? Vais-je? Eh non, malheureusement, Priscilla, la reine du désert, vient de décéder. C'est terrible. C'est absolument terrible et catastrophique. Voyons voir ce qu'on nous propose. Taco. Sonia la mage. C'est vrai que je pourrais utiliser mes sorts. Stereo blind, you can't see in 3D. On ne peut pas voir en 3D. On ne voit, ça doit tout être plat. Et à chaque fois que l'on tuera, on récupérera du mana, ce qui est très intéressant. Ah, il est atteint de TOC. Il doit, en cassant des choses, on récupère CNP. Et Sir Useless, ce qui me semble assez. Assez juste. Oh, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de prendre le chevalier. Ah, c'est tentant, mais je pense que je vais encore prendre un petit upgrade de. Petite upgrade de vie. Oui, c'était 250, hein. Il va falloir quand même pas mal de fric. 150, c'est le minimum. Soit.
On donne donc tout notre argent à cette saloperie. Ce qui fait qu'il faudra plutôt bien optimiser finalement. Ah joli, joli. Ah, il va me falloir un petit temps pour me faire à... me faire au gameplay de ce jeu. Mais j'y crois. J'y crois à mort. Je pense que je peux le faire. Oh le petit Casper. Oh le petit Casper. Ah, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas dicter ma loi par quelques malheureux ennemis de mes deux. Et je continuerai ma quête. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, bravo, bravo sac à merde, bravo, bravo sac à merde. Foncer sur l'ennemi, c'est ma passion. Foncer sur les ennemis, c'est ma passion. Que nous donne-t-on? Lady Sir Marvin. Qui est atteint de nanisme. Et qui ne peut évidemment pas remonter sur les attractions de Disneyland. Encore un Knav qui ma foi est lesbienne. Un chauve. Donc nous avons le choix entre deux chevaliers et un Knav. Je pense qu'on va prendre un chevalier. Peut-être prendre le nain. Peut-être prendre le nain et 100 pieds 7, ma foi. Que peut-on acheter avec 100 pieds 7? Ma foi, pas grand-chose. On va transformer les chevaliers en paladins. Et ma foi, voir ce que le reste du niveau nous permet de voir. Niveau 4 déjà. Et nous allons entrer dans le château au prix de ces 20 pieds 7 saloperies de mort. Petit sac de thunes planqué malicieusement. Planqué malicieusement dans les chandeliers. Oui, on peut planquer. Sachez-le, un sac de fric dans un champ de lys. Si vous cherchez un autre endroit qu'une banque pour planquer votre thune, le chandelier est probablement une très bonne idée. Encore un petit peu de mal à jauger les sauts, mais on va s'y faire. Oh saloperie! Saloperie con de mine. Oh, ma foi, descendons, allons voir ce que nous réservent les profondeurs de ce château et à savoir la mort. La mort bête et méchante. Priscilla 2 déjà, mais oui. Useless 2 aussi. Charlotte, la barbare. Barbare, mais homosexuel. Ah, la barbare, je... Ah, tunnel vision, pas de vision périphérique. Et donc le paladin avec le bouclier gardien, du gardien. Prenons Lady Charlotte. Oh, 220 fric. Eh bien, j'ai envie d'aller voir notre ami forgeron.
Et malheureusement, non, c'est pas ça que je peux acheter, c'est peut-être ça, voilà, 200. Et augmenter peut-être sa vie. Oh, ça serait dommage tout de même, ça serait dommage. On a beaucoup de fric. On va plutôt acheter ça, il nous reste 50 piécettes, on n'en fera rien malheureusement. On va être obligé de lâcher ce modeste pécule à Dark Vador. Mais ne vous inquiétez pas. On va tout défoncer. Ah oui, les piques, les piques. Alors les piques, vous savez, j'adore. Ma passion, tout ça. Ah oui, ouais, bien joué, bien visé. Vais-je mourir dès la première salle? J'y crois mort. Eh bien non, 3 points de vie, mais je suis vivant. Et c'est ce qui compte. Même si ceci dit, je ne suis pas allé bien loin. Et la pauvre Lady Charlotte, qui est décédée de façon atroce. Paix à son âme. Sœur Scorpio le mage. Encore un paladin avec Lady Solia et encore un barbare. Gigantisme. J'ai envie de retenter l'aventure. J'ai envie. Malheureusement, 70, ça ne nous permettra de rien acheter. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. On va être obligé de lâcher toute sa thune à ce connard. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ces sacs à merde. Un tableau maléfique qui aura bien du mal à faire le poids face à notre arme redoutable. Ah oui, là ça peut complètement être la mort, mais je peux aussi m'en sortir comme ceci. Finalement, c'est ça, c'est le beau jeu. Reprenons un peu de vie, ça je suis pas contre. Je suis pas contre parce que je me fais un petit peu bourmenter de tous les côtés. Oh là là, je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas faire. Ah, quoique, quoique. Quoique. Ah, un peu de vie, un peu de vie. Oh, méga Casper, méga Casper. Avec un blueprint, la cape de chevalier. Et vais-je arriver à ne pas mourir face à ce monstre qui me balance des putains de boules de feu? Eh, malheureusement. Il a eu le dernier mot. Allez, Sœur Grey le barbare, une fois de plus. Un savant en plus. Et 150, si je ne dis pas de bêtises, il y a un objet à 150. C'est le casque. C'est le casque à 150, c'est magnifique. Et nous voici avec un petit peu plus de vie.
Et on va pouvoir faire un gros doigt à Voldemort, puisqu'on a absolument rien à lui filer. Ah, du HP up direct, c'est peut-être pas GGN. Allez, commençons à récupérer du fric. Oh, la belle prise, la belle bleue. Allez, petit Casper, petit Casper, petit Casper, on se laisse pas faire. Encore un malicieux tableau. Oui, 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 deux tableaux magnifiques. Mais je ne l'entends pas de cette oreille. Oh là là, les thunes, le fric qui coule à flot. Ah mais je suis téméraire, j'en ai rien à foutre, je fonce dans le tas. Regardez, l'esquive. Bon, là il y avait un petit peu moins d'esquive, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Oh, les morts qui se relèvent des quatre coins du château, c'est terrible. Oh, les ambiances. Oh, c'est terrible, ils sont tellement... Mais je ne me laisserai pas faire. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Oh là 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 là. Malheureusement. Et le retour de Priscilla. Trois paladins. Non, un, deux mages, deux paladins, un mage. Allez, c'est parti. 320 thunes. 321, l'argent coule à flot. Pour 250, on peut augmenter son dommage de 7 points et j'ai envie de dire oui. Alors que nous avons débloqué la cape de mage qui donne 15% de chance d'avoir un critique. Et malheureusement, je crois que les 70 piécettes ne nous serviront malheureusement à rien. Mais gros apport en DPS, ce qui ma foi est plutôt plaisant, mais qui ne nous empêchera pas de mourir comme un gros sac. Regardez, hop, on esquive, one shot direct. Oh là 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 là. Ça y est, c'est fini, les embrouilles sont terminées. Bon, ça ne m'empêche pas de me faire toucher, mais... Regardez, nous n'avons plus peur de rien. Et ce malicieux chevalier qui attend pour me refaire le boule, il n'en est pas question. Et déjà 270 piécettes dans la musette. Ah oui, non lecture du jeu la plus totale. Eh, hey, mine de rien, le petit damage up, il fait beaucoup de bien. Peut-être un des premiers trucs que j'aurais dû faire. En tout cas... On récupère du fric. Ah, on peut se défendre. Hein. C'est bien ça, le paladin qui permet de se défendre.
qui me semble, voilà, au prix de son mana, mais définitivement quelque chose à utiliser. Ah là là, dommage. Dommage, on n'a pas pu réussir à repousser la vie. Undoom Vars. Mais on a quand même fait du dommage, fait du dégât, et... Ben, ma foi, c'est plutôt pas mal. Allez, prenons le barbare. Prenons le barbare, on a 400 thunes. Rendez-vous compte, 400 thunes, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Du coup, que faire? Prendre une upgrade de vie, ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite... Il y a du equip, hop. Alors regardez, des nouvelles choses qui apparaissent. L'architecte, l'enchantresse, pour avoir accès à ses pouvoirs magiques et à ses runes. Et donc l'architecte qui permet de conserver le château en cours. Ce qui est, ma foi, fort intéressant. Ce qui pourrait se révéler en tout cas intéressant. Il me semble que tout ça c'est bien trop cher. Oui, dommage, nous allons devoir lâcher 70 thunes à cet enfoiré. C'est de bonne guerre. Évidemment, on commence par tout défoncer. Petites ambiances. Ah oui. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, tout est calculé. Hop là! Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Oh! Ah, j'ai oublié que seuls les paladins peuvent se défendre. Que donc les autres doivent compter sur leur agilité légendaire pour éviter toutes les merdes qui leur arrivent à la tronche. Aussi, je pourrais éventuellement utiliser mon mana. Oh merde! Mauvaise direction. On va spammer l'attaque, on va spammer l'attaque. Allez, crève chevalier, crève. Pourriture communiste. Tout va bien. Ouh, les petits Casper. Ah ouais, je me prends tous les dégâts mystiques de la terre. Saloperie, con de mime. Con de mime. Malheureusement, le décès est encore survenu. Deux knaves, un mage. Allez, le mage, j'ai encore jamais trop joué, donc on va prendre... 190 piécettes qui malheureusement ne permettent pas de faire grand chose. Allez. Petit equip up. Quoi qu'il faudra aussi penser à développer son château. Et allons-y. Bonne vitesse. Une bonne vitesse, c'est intéressant. Ah oui, sac à merde. Que quelque chose essaie de me tirer dessus et je suis déjà mort. C'est vrai, c'est un mage. C'est dommage.
J'ai envie de dire c'est dommage. Et je vais prendre le paladin. Parce qu'au moins lui, il a de quoi se défendre. Et mes 50 pieds 7. Je vais pouvoir me les carrer. Là où je pense. Oh, le jeu en sépia. Le jeu en sépia. Sépia top. Pardon. Allons-y, avançons. Saloperie de con de mime. Heureusement. Heureusement, je fais un peu de dégâts, ce qui est plus qu'appréciable. Et un petit peu de vie, ça, je suis vraiment, ça, j'apprécie. Oh, c'est dommage, je l'avais, j'allais lui bourrer le cul. Salut, Arcégis. Oui, oui, je sais que c'est Piatop et... est un Pokémon, c'était une petite référence, évidemment. Et en tout cas, salut, bienvenue sur le stream pour, voilà, pour le Rogue Legacy. On change un peu d'Isaac, quoique tout moment, hein, la chasse au Steven peut revenir. Mais en attendant... Aïe, 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 dommage, dommage, je pensais que j'allais être juste en dessous. Et je n'allais pas monter et me faire bourrer le fion, mais... évidemment. J'avais tout prévu. Oh! Non, surtout, ah, surtout ne meurs pas. Surtout ne meurs pas, je t'en supplie. Sac à merde, sac à merde. Petit moment d'inattention. Et la mort qui fond sur vous, c'est terrible. Deux barbares, un paladin. Un paladin de barbare. Très rapide, c'est peut-être pas une très bonne idée ça. La peur des poulets. La peur des poulets. Mais j'ai envie de tenter. La peur des poulets, ça me fait pas peur. On pourrait reprendre un petit peu de vie. Pile poil, quoique on pourrait débloquer aussi. Allez, on va prendre l'enchanteresse. Qui devrait peut-être... non, qui ne débloque rien. Ah si. Qui peut donc... ajouter du pouvoir à notre corps avec des runes magiques, nous mettant, faisant de nous des Daft Punk. Trouver des runes pour augmenter son choix de modification de corps et sa boule de cristal est juste là pour faire genre. Magic Damage Up. Et l'upgrade des mages. Et on va voir ce que l'architecte a à nous proposer comme upgrade. L'architecte peut bloquer le château et prévenir et empêcher qu'il change. Vous aimez l'agencement d'un château, bloquez-le. Mais faites attention et assurez-vous de pouvoir payer ce petit personnage à l'attaque up. Alors ça, je pense que on va bourrer. Et aussi de quoi augmenter les barbares en rois barbares, les rois des hommes libres, ce qui n'a aucun sens. Et en appuyant sur donc la touche Q, on lance un cri épique qui repousse virtuellement tout.
et avec le mage on pourra switcher de sort, ce qui est intéressant. Allez, allons voir l'enchanteuse, enchantress, the enchantress. Bonjour héros. Bonjour héros. Puis-je avoir une ton oreille pour un petit moment? J'ai besoin d'aide. Par le passé, j'étais une enchanteuse puissante. Mais un jour, les monstres de ce château ont envahi mes rêves et ont volé mon savoir. Ils ont enfermé ce savoir dans des runes et sans ces runes. Oh, je suis une sac à merde. S'il te plaît, héros, trouve ces runes, rapporte-les-moi. Et bien évidemment, je te les vendrai pour un petit peu de profit. Le dash. Ah, ça c'est bien ça. Ça serait pas mal un petit dash. Le double saut. Et c'est à peu près tout. Donc le double saut pour 175 et le dash pour 175 à retenir. On va pas le bloquer le château, ça sert à rien, surtout qu'en plus on gagnerait moins de pépettes. Il gagne moins de pépettes, ça m'intéresse pas. Ah, oh, le zombie qui a essayé de la faire à l'envers. Et le petit Casper là, qui me les brise. Évidemment, hein, simulation de casseur. Pétons tout, voilà, magnifique. De l'or gratos. Sac à merde man. Allez, on va monter, on va voir ce qu'il y a en hauteur. Oh là, les ambiances. Alors, on va essayer de pas faire n'importe quoi, voilà. On va la voir petit à petit. Magnifique le beau jeu. Et ça, c'est un tableau magnifique. Et bien sûr, j'arrive à me la prendre. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ah non, je pensais qu'il était mort. Alors c'est peut-être un de ses potes qui est revenu pour me faire chier. Ah oui, beaucoup de zombies dans cette zone. Beaucoup de zombies. Qu'est-ce donc? Allez-vous prier pour de l'assistance? Bien sûr, Helios Blessing. La bénédiction d'Helios. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Mais c'est pas grave. Continuons de monter. Hop, 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 hop. Et merde. Et merde. C'est un tableau magnifique, je n'ai pas l'impression. Ou par contre un petit Casper de merde. Malheureusement, il aura eu le temps de me toucher. Hop ! Oh, j'y crois, je suis sûr je peux le faire. Regardez, infinisation. On saute, c'est magnifique. Et malheureusement, la lance dans le cul. Oh, j'y étais, je l'avais. Je l'avais. C'est dommage, c'est tellement dommage. Quel combat. Et malheureusement. Allez, je vais reprendre un paladin. 410 pieds 7, ça c'est magnifique. C'est magnifique, je pourrais prendre le double saut. 175 de chaque, ce qui fera un total de 350. Me resterait donc 60 pieds 7 à utiliser quelque part. Et il n'y a rien à ce prix-là.
Allez, donc je vais prendre un attack up et acheter une des deux runes. Peut-être le double saut. Ça me paraît être une bonne chose et avançons. Ah, j'y crois. J'y crois tellement. Donc maintenant, ouais, voilà. Magnifique, le double saut. Alors par contre, je suis quand même en droit d'essayer de les toucher. Rends-moi ma piécette, saligo. Oh, la belle bleue. Allez, descendons, allons voir ce qu'on trouve en bas et un petit Casper, entre autres. Alors que oui, je pouvais l'éviter, hein. Je n'en doute pas une seule seconde, mais c'est ça la beauté. Alors que lui s'étire, je ne sais pas pourquoi, traverse l'écran, je suis en train de me faire péter le cul. Mais je suis vivant, tout va bien. Oh mon dieu! Hop, hop, hop. Tout va bien. Tout va bien. Mais pourquoi je drop des frames? Pourquoi d'un coup je drop des frames? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, désolé pour ce qui vient de se passer. Des drops de frames malicieux, je crois que là c'est bon. Bon, j'ai un petit peu baissé la qualité du stream, mais. Enfin, le bitrate. Mais je crois que ça a réglé le souci. Il me semble qu'OBS me dit que je ne drop plus de frames. Effectivement, c'est vrai qu'il faudrait que je pense que je regagne du... Oh mon dieu! Ne vous inquiétez pas, c'était absolument calculé. Tout est sous contrôle. Allez, un barbare, un knav. Je sais même pas quelle est la traduction de knav. Knav. Et un paladin. Allez, j'ai envie de continuer avec le paladin, il faudrait que j'utilise plus sa capacité à bloquer les attaques. 250. Ma foi, je pense que c'est le bon moment pour prendre le dash. Ah non, c'est 350. Saloperie, ces prix augmentent. Ses prix augmentent. Bon, alors du coup. Bah du coup, prenons ça, il nous restera plus que 10 petites piécettes. Et ça devrait le faire, et j'ai l'impression que c'est bon au niveau du drop de frame, ça s'est arrêté. J'espère que ça va rester comme ça. Petite esquive. Non, tu ne mourras pas. Ah, le HP, le HP, je... Oui, non. Alors, qu'est-ce donc que cela? Oh, merde. Oh, merde. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir fait une grosse connerie?
Saloperie de cul de pompe à merde. Magnifique, magnifique, je suis revenu dans le château. Même si là, non, ça va, je ne suis pas mort. Et je vais même encore récupérer de la vie. Si ça, c'est pas beau. Ça, c'est le beau jeu. Non, par contre... oui, retournons au début du château. Oui. Tout va bien. Je la sens mal. Je la sens mal. Je dois vous avouer que je la sens mal. Eh merde! Ta gueule, Casper! Ta gueule, Casper! Trois points de vie, trois points de vie! Je dois faire rêver avec aussi peu de vie. Mais j'ai envie de dire, rien ne me fait peur. Plus rien ne me fait peur. Oui. C'est quoi le trip ici? Mourir. C'est visiblement la solution. La mort sur la pique, sur pique. Là où j'excelle. Mais on va reprendre de paladin encore une fois. 220 et Ouais. On peut augmenter la magie pour exactement ce prix-là ou un petit peu de mana. Voilà. On a débloqué le chemin vers le château. Et on y voit un petit peu flou autour de soi. Peu astigmate, mais ça ne m'arrêtera pas. On a certainement un petit, voilà, un petit tableau dégueulasse. Ah oui, tu me la feras pas. Vous me la ferez pas. J'ai le pouvoir de vous envoyer des saloperies dans la tronche. Oh merde! Eh ouais, non, le pouvoir de un des traits de mon personnage, à n'en pas douter. Et oui, oh oui, le petit saut pour aller me choper... pour aller me choper les boules de la grosse boule de l'ennemi, ça c'était sport. Et je ne sais absolument pas, par contre, quel est le trait qui fait qu'on y voit tout flou. Ça c'est dommage. Voilà, c'était la bonne tactique. Magnifique, nous allons pouvoir continuer à explorer l'histoire. Entrée du journal numéro 2. Bien que je sois le plus vieux des enfants, je ne suis pas le favori de mon père. J'ai toujours su qu'il avait prévu de me laisser avec absolument rien. Mais si je trouve le moyen de le guérir, tout changera. Le victor, le victorieux, j'imagine, ne gagnera rien de plus que le trône. Pony Spacing, alors là, bon, hein. On va passer, justement. Avec mon ascension, ma femme et mes enfants reviendront dans les quartiers royaux. De retour dans la cité royale. Où nous serons traités une nouvelle fois avec le respect qui nous est dû.
Plus jamais nous ne devrons faire face aux moqueries et aux ragots de mes cousins. Les autres ducs devront se courber devant notre passage. Mais je m'emballe. Je me dois garder mes priorités. Conquérir le château. Trouver le remède. Obtenir ma récompense. Oh, c'est terrible. Salutations, aventurier. Je suis ici pour te donner la chance de ta vie. Pour la modique somme de 25% de ton argent actuel, je te donne la chance d'ouvrir un de ces trois coffres. Un de ces coffres triplera ce que tu m'as donné. Les deux autres sont vides. Ah oui, je veux tenter. Oh, il n'y a rien. Saloperie, condomine, communiste. Je me suis fait eu. Ambiance. Ambiance. Ah oui, non, mais j'arrive toujours pas à viser en fait parfaitement entre les Casper. Voilà, parfait. Ça, c'est du beau jeu. Mais toi, forcément, tu es un petit tableau malicieux. Le pic, la mort sur pic. Ah, le vainqueur ne gagnera ni plus ni moins que le trône en guise de succession. Merci Arcegis. Backup anglais. Merci. Oh, très démence, vous êtes fou. Ah, ça me plaît. J'ai envie de tenter l'aventure. C'est terrible, 295 pièces 7, c'est terrible, je ne peux presque rien acheter. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à me proposer? Plus 5 en magie pour 200 pièces 7 et 425 pour la cape. Et lui, c'est toujours 350. Et rien d'autre. Absolument rien d'autre. Ah, salut Paranox, bienvenue. Bienvenue. Ah, petit après-midi détente. Hein. En tout cas, pour le moment, pas d'Isaac. On verra si plus tard on le relance ou pas. Mais ben, en tout cas, pour l'instant, un petit peu de relégation va prendre du mana. Et ça va chier. Ça va chier. Et cette magnifique simulation de vandalisme. Oh, saloperie. D'accord. Oh, je t'aurai, mais les pics mourront. Ah non, c'est bien lui, c'est le Macrib qui m'a pété le cul. Lady Chun-Li. Et Lady Chun-Li, j'ai envie de dire oui. Alors, 50 pièces 7, je pense que les 50 pièces 7, on va pouvoir s'asseoir dessus. Et je suis très très content. Ah oui, on a le trait qui nous permet de regagner de la mana. En pétant des objets, et je me fais... Je me fais toucher. Voilà. Donc on va utiliser, hein, évidemment. Oui,
Mais je confonds encore un petit peu tous les boutons. Ne vous inquiétez pas, ça va changer au bout d'un moment. Bon, plus de mana, c'est pas grave. Mais merde! Ah non mais pousse-toi, je veux m'y mettre moi à cette place. Fous-moi la paix. Oh là l'esquive. L'esquive et j'avais pas vu. La rune de hâte. Oh c'est magnifique. C'est vrai qu'il faudrait que je sois un petit peu plus vigilant sur les environs. Oh merde. Take no damage. Oh, j'y crois tellement, je suis sûr que je peux le faire. Ah la classe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça quand on est bon. Eh merde! Ah, un petit peu de mana, un coffre malicieux. Un tableau malicieux. Je le sens bien ça. Eh oui, je le sentais bien, je savais que j'allais faire de la merde. Ah meurs, merci. Oh oui, le fric, l'argent, je vais m'en mettre jusque là. Très belle salle, très belle salle. Par contre, la mort au retour. Presque. Oh merde. Donc voilà au début. Il nous faut donc aller vers le haut. Qu'est-ce donc que ceci? Rune de célérité. Merci. Ah oui, je galère, hein. Ça, y a pas de doute. My first Quantum Translocator. D'accord, c'est un jeu. Nous n'avions aucune attente durant le développement et c'était plus quelque chose que nous avions fait pour le fun. Inutile de le dire. La. La réponse, ce jeu. Comment dire ? Les réactions à ce jeu furent énormes. Et c'est la seule raison pour laquelle Cellar Door Games existe aujourd'hui. Ce moment où nous avons lancé ce jeu, nous savions qu'il n'y avait pas de retour possible. De manière intéressante, beaucoup de gens pense que ce jeu était inspiré de Portal, mais leur similarité était simplement et complètement due au hasard. C'était une coïncidence. Ce jeu est à l'origine. Vient à l'origine d'un personnage
que nous avions rêvé pour le jeu. League of Legends. Le LOL. La vérité. En vérité. Les choses communes entre Portal et le jeu dont j'ai oublié, First Quantum Translocator, j'ai de la mémoire, ne sont commencé à apparaître qu'une fois l'histoire et les graphismes finaux ajoutés au jeu. Dans tous les cas, nous sommes fiers de ce jeu. Il se jouait plutôt bien. Et il avait une fin plutôt pas mal. Oui, je galère en anglais et j'aime ça. J'aime vous faire partager ces petits moments. Juste après, pour mourir comme une bonne vieille merde, il n'y a rien de mieux. C'est surtout qu'en fait, c'est pas forcément que je ne comprends pas l'anglais, c'est surtout que j'ai souvent du mal à trouver les bons mots et les bonnes traductions en français. Je comprends très bien le sens d'un texte, mais alors après, pour faire une traduction mot à mot, c'est la galère. Donc un barbare, un paladin... Ah ça par exemple, vous voyez, c'est pas du tout moi. You remember things with extreme clarity. On se souvient, vous souvenez de choses avec une clarté et une pureté extrême. Bah c'est pas du tout moi. Donc on va prendre de paladin. Et on a 600 boules. On a 600 boules à dépenser. On est riche. On a du pèse. Et du coup, je vais m'empresser. Je pense. Oh, c'est vrai qu'on a une nouvelle rune. Ah, voyons voir. Ça serait peut-être à la place. Ouais, non. Non, je préfère un double saut. Et 350, oui. Ah, ça va être pratique, ça. Ça va être pratique. Par contre, 250, je sens que je vais plus rien pouvoir faire avec. Si, je peux m'acheter ça. Voilà. Ah ben Arcégis, tu pourras te faire plaisir. Mais c'est vrai que j'aime bien traduire, mais j'y arrive absolument pas. Sauf si on me donne le temps. Donc la traduction directe. Ah oui, joli. Ouais, mais j'avais pas assez de pèse pour les trucs avec un plus, malheureusement. Allez, les petits Casper. Je vais pas me laisser avoir par ces petites merdes. Par contre, ça, oui, forcément. Ah oui, oui. Très très bonne technique d'essayer de se reculer pour se prendre encore mieux. Les attaques des ennemis. Ça, c'était parfaitement calculé. J'avais parfaitement calculé le fait que j'allais esquiver en me mettant là, pardon. Oh merde! Tout va bien. Oh, regardez-moi cette tactique, absolument sans faille. C'est terrible, c'est magnifique. Eh merde! Toujours sauter sur l'ennemi, on sait jamais, avec un peu de chance, on peut lui rayer le casque ou lui arracher un morceau de cap avec notre casque, plutôt. Oh mon dieu.
Non, j'ai pas envie de jouer la tête à l'envers. Et du coup, on va prendre Chun-Li 2, le retour de la vengeance. Il me faut des 335 pour augmenter encore un peu l'attaque, mais j'ai pas assez. C'est terrible. Du coup, je vais pouvoir acheter encore une upgrade de mana, mais... Malheureusement, pas plus. Ah oui, je me concentre sur Casper et j'en oublie qu'il y a d'autres ennemis dans la salle. Regardez-moi ça, à quel point j'ai du mal. Je lutte complètement contre moi-même. Oh, petit coffre comme ça au pif, j'apprécie. Avec en plus un petit peu de vie, non mais c'est la fête! Oh mon dieu, j'ai 5 haches pour détruire toutes les cibles. Je sens... Je sens que je vais avoir du mal. Ah ouais. Ouais. 420 petites pieds sous net, mais dites-moi, mais c'est la fête au village. C'est extraordinaire. Oh merde! Oui, sauter au moment où il allait lancer son attaque, je sais, c'était la plus grande idée de tous les temps. Oh mince, je serais un nain, je pourrais passer. Et malheureusement... Malheureusement, j'ai une taille ordinaire. Oh, mais quel sac, mes amis. Ah, c'est pas facile de jouer à un jeu quand on lag. D'accord, le côté ou au droit. Ouais, mais... Oh, je vais voir, mais c'est pas forcément dommage. Enfin, c'est pas forcément catastrophique si je débloque pas le super perso de la mort. C'est pas grave, hein, moi là, je suis là pour m'amuser. Oh merde! Tout va bien, je suis vivant. Tout ça pour revenir là et probablement mourir. Bah ma piécette, saloperie. Ah oui, je ressemble à DX9. J'ai jamais regardé. Donc c'est vraiment du pur hasard. Je ne sais même pas par quel côté j'y ressemble. Enfin... C'est ce que je fais, il ressemble. Et une petite upgrade du barbare, moi quand même je suis pas contre. Fondamentalement je suis pas contre. Par contre ça va me laisser que 300 pièces d'or et je ne pourrai plus upgrader l'attaque. Ce qui me ferait plaisir. La voix, d'accord. Ah mais je savais pas que j'avais la même voix. Comme quoi, on en apprend tous les jours. 345 plus 370.
Calcul, ça va pas le faire. Ouais, quoique, si. Eh si, ça le fait. Bien sûr que ça le fait. 450. Au moins, on a augmenté un petit peu notre vie et l'attaque. On va pouvoir défoncer un petit peu mieux les ennemis. Ce qui me paraît... c'est judicieux. Oh non! Ok, tout va bien. Gestion magnifique de l'ennemi. Reviens ici, reviens ici. Regardez, regardez, je vais tous les bourrer, je vais tous les bourrer. Hop là! Tu ne mourras pas, vil chevalier! Oh, je l'aurai ce coffre, je l'aurai, je vous le jure, je l'aurai. Eh merde! J'aurais dû faire un dash. J'aurais dû faire un dash, je sais. Mais. Alors attendez, normalement, voilà, magnifique. Je le savais que je pourrais l'avoir sans me mettre trop en danger. Ah oui, quand on a le flou mais pas autour de son perso, l'inverse. Mais foutez-moi la paix! Tout va bien, je sais que je peux le faire. Je vous jure que je peux le faire. Regardez, regardez. Regardez la gestion magnifique de cette salle. Avec les tableaux d'Harry Potter. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Eh merde! Le Blow Chest Plate débloqué. Ça c'est cool. Maintenant, il va falloir ressortir de cette salle vivant. D'accord. Sac à merde, sac à merde. J'ai 13 points de vie. Je suis sûr que je peux aller loin. Oh merde! Ah tiens, le jukebox. Allez, pour mourir, ça me paraît trop... Ah, se suicider. Quelle belle perspective d'avenir. Ben on va surtout pas prendre de mage, et donc, ben on va prendre lui. Parce que j'ai pas envie d'aller de courir trop vite. 380 P7. Allez, on va prendre ça. Ça me paraît judicieux. Et on va avancer. Je pense que je ne vais pas tarder à faire une petite pause. Ce qui est bien, c'est que avec ces persos, avec ce jeu, ça va plutôt vite. Ah oui, joli, joli. Je pensais que j'allais me retrouver juste en dessus. Et finalement, on est à l'abri des pics. Et non.
Petit critique entre les deux yeux. Donc le blood, d'accord, c'est de la merde. D'accord. Oh là 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 là, quelle gestion. Donc ça, je l'ai pris une fois, je ne le prends plus, j'ai compris le principe. Ça va me transporter je ne sais où, et je vais être dans la merde. Oh merde, que... Alors ça, je ne connais absolument pas le principe des song requests, enfin j'ai jamais vraiment creusé le sujet. Mais je dois avouer que j'aime bien, en général quand je joue au jeu, profiter du son et de la musique du jeu, qui en général vont dans l'ambiance. Ça m'arrive jamais de jouer avec de la musique autre dans mes oreilles. Mais bon, à voir. À voir. Ah, vous avez deux mains gauches. Ça me ressemble un petit peu. Ah voilà, le nearsighted. L'inverse donc. Allez, on va prendre lui. Bon, 150, je vais... Ben, évidemment, tout est trop cher. Et 150... Ah oui, d'accord, ça baisse la vie. Ça augmente l'armure, par contre. Ça ajoute du vampirisme. Donc ça forcément trop cher, et ça 200 trop cher aussi. Et je sens que les 150 piécettes... Je vais pouvoir me les carrer. Où je pense. Ah oui, d'accord, il a lancé en arrière. Oh là là. D'accord. D'accord, les pics touchent du côté. Se souvenir de cette petite subtilité. Oh merde, merde, merde. Oh non. Non mais... Foutez-moi la paix. Ah ouais, faut que je pense au dash. Il faut que je pense au dash. Ah ouais. Bon, brune du vampirisme. Je suis pas tout à fait sûr. Et merde. Ah, le skill en anglais, le retour. Donc une expression qui m'est inconnue, j'avoue. En tout cas, je suis entré dans le château. Le diable Charon a pris tout ce que j'avais en guise de paiement. Pilferd. Ah, je vais prendre des trucs. Il a même pillé mes coffres privés. Il a laissé. J'ai laissé ma femme et mes enfants avec absolument rien. Il dit que c'est le prix pour tout le monde. Pour tous ceux qui s'aventurent dans les profondeurs de ce château. Il dit que c'est juste. C'est juste car tous ceux qui sont entrés, de tous ceux qui sont entrés, aucun n'en est revenu. À chaparder. Il a même chapardé mes propres coffres. Mais je vais changer cela. Je serai victorieux. Il n'y a pas plus grand épéiste que moi. Et même parmi mes semblables. Oh merde, mais c'est pas possible.
Je vais sortir de cette salle vivant. Eh, mais t'étais pas mort, toi? Ça va. Ça va, on s'en sort bien. Surtout qu'en plus, on peut récupérer un peu de vie. Ah oui, d'accord, il lance vraiment n'importe où. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ça allait être une baiserie. Ah oui, parmi mes pairs, moi j'aurais dit parmi mes semblables, mais oui, c'est vrai que mes pairs, ça fonctionne aussi, oui, bonjour. Voilà, petite attaque duo. Paf, paf. Wom. Oh, le boss. Le boss, les coffres. Ah, ça me fait plaisir. Le Night Chest Plate. Oui, bah peut-être que le boss, quand même, on va éviter, parce qu'à mon avis, je vais me faire bourmenter bien comme il faut. J'ai failli me faire eu. Bon, ça, c'est un tableau maléfique. Autant s'en débarrasser. Toi aussi, oui, toi aussi. Vil gredin. Non mais, vraiment mauvaise tactique. Tout va bien, tout va bien. Non mais, pourquoi je m'acharne à embrasser les ennemis, je ne me l'explique pas. Oh merde, 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 merde. Saloperie. Non, je n'ai pas Better Twitch TV. J'ai aucun bot d'ailleurs. Enfin, je sais pas si c'est un bot, hein, j'en sais rien. En tout cas, si c'est un bot, je n'en ai pas. Je suis concentré sur l'ennemi du dessous et je vois pas. Je vois pas le chevalier me lancer sa spéciale dans la tronche. C'est sport. C'est sport. Tout va bien, je n'ai pas peur. Voilà. Bon, ça aura fait quelques piécettes en plus. Voyons le bon côté des choses. Je sens que je vais mourir. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais mourir. Ah, c'est pas l'heure de faire n'importe quoi. Oh là là, quelle gestion. Bien obligé de remonter par là. Ah, ça va être les bonnes ambiances quand il va s'agir de remonter. Un corps. Quel est donc cet objet que je viens d'avoir deux fois? J'imagine donc que c'est un truc... Ah, c'est un sort! Alors, attendez. Non.
Je veux utiliser mon deuxième sort. Comment qu'on fait? Ah, j'avais pas vu ce que c'est Sir Jimmy. Sir Jimmy. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que le Helios Blessing? Je ne sais pas. D'accord, c'est un passif. De la vie que je vais m'empresser de perdre. Oh non, 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 s'il te plaît, ne meurs pas, ne meurs pas. Oh, je suis vivant. Non mais regardez-moi cette gestion des ennemis, cette gestion de l'espace. Et là, la mort. Non, attendez, attention. Hop là. Hop là. Hop là. Ah, je peux continuer ça toute ma vie. D'accord, on peut grimper sur les tonneaux. D'accord. En tout cas, on va avoir un petit pécule à la fin de ce niveau. Pas dégueulasse. On va même récupérer encore un coffre qui contient de l'argent, encore moult argent, 1370 pièces d'or. Où vais-je m'arrêter? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a en haut? En bas, il y a par contre un coffre. Un peu de vie. Magnifique. Magnifique. Oh, on va se faire plaisir. Hop là. Toi aussi, je sais que tu es un malicieux petit tableau. Mais tu ne me fais pas peur. Est-ce que je suis arrivé à une autre zone? Oui. Pas de panique. Pas de panique. Ah bon, on va se téléporter. On va se téléporter. Qu'y a-t-il par là? La forêt. J'aurais dû m'en douter. Ah, du coup, on a presque exploré toute cette zone. C'est magnifique. Reste donc cette partie ici encore. À ma charge de ne pas faire le boulet. On gagne moult argent, vraiment. Je suis étonné. Ah ben, on a tout fait. Allons mourir contre le boss. Ça me paraît être judicieux. Le premier boss, Kidr, donc. Le Gatekeeper. Et Ah mince. Ah
Ah non, 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 non. Je suis intouchable, je suis invincible. Et mince, d'accord, le niveau augmente en achetant des trucs. J'ai envie de dire que Jimmy est un très très bon chevalier. Et sa mémoire sera honorée comme elle se doit, sera honorée. Les liaisons dangereuses. Il sera honoré comme il se doit. Ça va être l'heure peut-être d'une première petite pause de 5-10 minutes. Le temps de me rafraîchir le gosier, de prendre un petit peu l'air. Donc, à de suite. Et de retour. Ah oui, bon, j'ai pris peut-être un petit peu plus de temps. Désolé. Désolé. Bonjour et moi. Bienvenue. Bonsoir Icarus aussi, si vous êtes toujours là. Bienvenue. Donc du Grog Legacy, donc on va repartir. On avait gagné beaucoup de fric. Beaucoup de fric. Avec que des barbares. Au moins ça c'est fait. Et donc 1940 pépettes à dépenser dans ce château. On va pouvoir augmenter un petit peu tout ça. On va prendre déjà un coup ça, on va voir ce que ça débloque. J'ai envie de voir ce que ça débloque. Savoir le Shinobi. Ah, le fameux Shinobi, on va le débloquer. 370 par contre, j'ai peut-être fait une connerie. Le Shinobi. Pile poil. Oh, ça par contre, je suis preneur. Bah écoutez, on va prendre ça, hein, tant pis. Un petit up de critique, et du coup. Et donc voilà, donc au moins, ça c'est cool, on a un peu avancé, on va surtout donner zéro thune à cette saloperie de charron, de charogne, cette petite charogne. Ah oui d'accord, les poulets, il faut les tuer, d'accord, je viens de comprendre ce que c'est que l'alectophobia. Et merde. On va essayer évidemment de gagner plein de fric. Là, je pense que l'idéal, ça va être de baisser le taux d'entrée de cette saloperie de charron, donc. Oh, petit critique. Ah oui, ça, j'adore foncer sur les ennemis. Je crois qu'il est myope. Comme moi. Et on va voir ce qu'il y a en dessous. Petite salle des ambiances. Avec un coffre. Il y a un coffre ici.
Je ne dois pas mourir. Oh, les petites esquives. Prenons le fric. De la vie, ça c'est cool. Salut Snitters, bienvenue. Oh, magnifique, magnifique. Bienvenue, donc. J'espère que tout va bien. Bon, là, j'imagine que ça va aller dans le niveau suivant puisqu'il est un téléporteur. Eh oui. Eh oui, moi. Ah, ça, je savais que j'allais me faire toucher. Oh, merde. Ah, ouh. Oh bah, j'ai un petit peu loupé le coup pour déployer la passerelle un petit peu comme ça. Non mais je vais y arriver, je suis sûr que je peux y arriver. Voilà. Oui, oui. Je ne suis pas totalement un sac à merde. Qu'est-ce que je fais? Non mais je peux le faire, je l'ai fait une fois. Je peux le refaire. Voilà, magnifique. Oh merde. Très bonne tactique. Là, je vais mourir. Pas encore. Je ne suis pas mort. Bonsoir sur Your Bros. Oh ben là c'est le début du jeu et puis je suis un gros sac fini, donc forcément moi le moindre truc. Petit shinobi, on va tester le shinobi. On a 390 PS7, que peut-on faire avec? On va augmenter les dommages critiques. Les dommages des critiques. Parce que ça nous permet d'avoir le moins de piécettes à filer à ce sac de charron. Oui, je découvre. Bien que Oli, en ayant regardé les streams d'Oli, j'ai un petit peu découvert déjà, mais là, c'est la première fois que j'y joue. Hop, hop, hop. Non mais regardez-moi ça, cette tactique d'aller embrasser l'ennemi. C'est une façon de dire je n'ai pas peur de toi. Une faux. Ah, il faut vaincre tous les ennemis. Ah oui, d'accord. Oui, ben ça va être difficile. Hein? Ça va être compliqué. Oh mon Dieu. Tout va bien.
Bon, le texte, cette fois, on va peut-être le passer assez vite, hein. Hop. Bon, en gros, le château change à chaque fois. Merci, on n'avait pas remarqué. Ah oui, ça par contre, pas beaucoup de vie avec le Shinobi, je viens de m'en rendre compte. Mais c'est pas grave. Je n'ai que faire de la vie. Regardez, regardez, regardez. J'en ai rien à foutre. Parce que je tape comme un gros bourrin. Et que ça me suffit. Voilà, voilà. Rien à foutre. Je frappe même à travers les murs et les plafonds. C'est vous dire. Le boss. Le boss, le retour. Oh, un nouveau blueprint. Bon, je vais mourir, c'est une évidence, mais... C'est le beau jeu, si vous voulez. Alors, il se trouve que, malencontreusement, j'ai appuyé sur une touche légèrement à droite de celle que je voulais appuyer. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer mon sort, j'ai fait un dash. Bon, c'est des choses qui arrivent, non? Enfin, je veux dire, je suis pas non plus aussi si pas doué, c'est pas possible. Et du coup, 390 pièces d'or qui ne me permettent d'acheter absolument rien ici. Je le vis relativement bien. On avait trouvé des runes, oui. Alors qu'est-ce donc qui tuer les ennemis pour gagner de la vie? Mais c'est de toute façon beaucoup trop cher. Et oh, magnifique. Plein de nouvelles choses. Ah, ben on va pouvoir, je pense, prendre une petite armure. Puisque tout le reste est beaucoup trop cher. Alors certes, l'armure du chevalier est bien mieux que celle-ci, mais on a des sous que pour celle-là. Donc au moins, c'est ça. Ah oui, je serais mort quand même, mais... Bon, disons que j'aurais aimé être... disons une mort plus honorable que de mourir comme un gros sac. Ce qui est tout de même dommage. Ah, et par contre, on est vraiment un gros bourrin. Hein. C'est la bonne nouvelle. On va passer les niveaux un petit peu plus sereinement. Oui, vas-y. Hop là. Ah oui, même eux, on est one shot. D'accord. Oh bah au moins, c'est une bonne chose. Oh mince. Je me suis fait eu. Ah, encore un petit journal. Eh bien, un peu de lecture. Ah, je ne peux pas m'enfuir par la porte... Par la porte principale.
Oui, encore une fois, toutes les cartes qu'il trouve n'ont rien à voir avec son château. Ah, la forêt toujours à droite, la tour en dessus. Et en dessous. Que se cache-t-il? C'est terrible. Sharon's Hobble. Et je ne sais pas ce que ça fait. Oh merde. Oh, toi, meurs. Toi aussi, meurs. Ah oui, 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 oui. Voilà. Très bien joué. Du fric, du fric. Ouais, les faux tableaux bougent, ça j'avais remarqué, mais même en l'ayant remarqué, eh bien j'arrive à faire cet exploit de me les prendre et surtout de me suicider. Mais moi, le corps à corps, j'aime ça, moi. Moi, je... Si je peux mourir bêtement, moi, ça me tente. Ah, des shinobi, encore un shinobi. Moi, les shinobi. Ça commence à être les persos de la vie. Et 360 pièces, et je sens qu'on va s'asseoir dessus. Je sens qu'on va bien s'asseoir dessus. Quoique non, on va prendre ça, au moins. Au moins on ne perdra pas tout, mais la prochaine fois faudrait quand même que j'arrive. Ah, il ne m'a pas tout pris. Il ne m'a pas tout pris. Du coup j'ai zappé son texte comme un malpoli. Rien à foutre. Ah oui, forcément fallait que je me fasse toucher. Sinon c'était pas très drôle. Hop. En tout cas le shinobi, meilleur unlock du jeu. Ah, beaucoup de fric. 400 piécettes, c'est pas mal. Ah, c'est possible qu'il ait quelques flatulences, j'avoue. Allez, viens là, toi. Voilà. Bon. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh merde. Technique de speedrun, évidemment. Damage boost, tout ça, tout ça. Oh merde. Bah le pseudo Sim, je crois que c'est sur Lightfox, hein, ou c'est Lightfox tout court, il me semble. Ah, plus d'OKG. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. C'est pas grave, on va prendre le paladin. On peut prendre un petit peu de vie. Ça peut être sympathique. Peu de vie ou oui non, on va prendre ça, on va prendre un peu de vie, tant pis. Mais j'imagine qu'on commence, il nous laisse un petit peu de piécettes à partir d'un certain moment, j'imagine, un certain montant plutôt. Ah oui, c'est vrai que c'est 7 pièces de merde. Ah si, quand même, on fait bobo. Je l'ai vu bouger au moment où je lui ai sauté sur la gueule.
Mais c'est ça le beau jeu. Sac à merde. Oh, le petit critique. Tellement pas de temps. Bon, j'ai un petit peu perdu toute ma vie. Vous inquiétez pas, hein, tout va bien. S'il y a un petit peu de bruit en fond, c'est normal. Hop. Voilà, ne pas faire n'importe quoi. Hop. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Tout va bien. Ouais, presque. Saloperie. D'accord, d'accord. Alors nous avons le choix entre deux barbares, la reine, Lady Charlotte et Sir Taco. Oh, avec la dyslexie. Ça va peut-être être assez marrant. Bon, bah je crois que les 140 piécettes, malheureusement, on ne fera rien avec. Et donc, eh bien, on lui donne tout. On lui donne tout. Notre modeste possession. Ouais, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Comme par exemple, paniquer. Voilà. Bonne gestion. Par exemple, voilà, on n'a pas trop perdu de vie, ça va. Ça aurait pu être pire. On récupère moult sacs d'argent. Vraiment beaucoup de sacs d'argent, je suis étonné. Ok. Non. En fait, finalement, après autre mûre réflexion, j'ai décidé que non. Hop là. C'est mieux. Ah, mon cher Oli, bonjour, bienvenue. J'espère que ça va bien. Ouais, une petite séance de mort à la chaîne. Ça me plaît. Ah, un petit texte. Ah oui, alors là, avec la dyslexie, forcément. Je n'ai jamais aimé le noir. Je préfère rencontrer mes ennemis à ciel ouvert. Dans un champ à ciel ouvert. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Et maintenant je me trouve en train de braver. Oh là, alors avec la dyslexie, glow glow glow. Oh mon dieu. Ah ben j'irai chercher peut-être plus précisément le compte Steam. Donc là j'imagine, voilà, qu'on se retrouve ici, donc pas bon, hein, on est d'accord. Il
Donc on va continuer par la techno de Mage. J'y crois. Ah, c'est terrible, j'y ai tellement cru. Hop là, du calme mon ami. Bon, je vais y arriver. Voilà. Non mais... Un petit peu de vie, et donc là forcément ça va être la forêt. Et je commence à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai martelé la touche commun. Oh là là. Ah, sac à merde. Donc forcément, oui, voilà. J'ai voulu faire du dash et j'ai juste appuyé encore une fois sur la mauvaise touche. Du coup, j'ai vidé ma mana. C'est sport, avouez-le. Donc, on va retourner en arrière et on va essayer de monter ici, puisque... Et oui. C'est par là qu'il faut aller, c'est génial, je suis super content. Ah ouais. C'est pas grave, j'accepte. Ok, Emeroi, j'ai tué aucun boss pour l'instant, Oli. En tout cas, Emeroi, je chercherai plus en détail le... Mon compte Steam pour te le donner. Oh là là, c'est tellement beau. Ah, dommage. Voilà, là, ça passe. Du calme, de la réflexion. Ah, dommage. Ah, il m'en manquait deux. Ah là là, je suis déception. Je suis déception, je dois vous avouer. Non, je n'ai pas encore loupé mes touches, c'est faux. Non, regardez, c'était juste pour vous montrer que oui, je peux le faire. Oh, le petit critique. Alors, petite question, comment atteint-on ce coffre? Ah oui, d'accord, il faut être petit, pouvoir dasher travers... Travers les murs, c'est dommage, je ne suis pas un nain. Oh, le coffre. Et dire que j'ai failli monter sans le voir, ça aurait été dommage. Tu croyais quoi, que j'allais être excessivement bon, enfin, voyons. Voyons, enfin. Donc là j'imagine, voilà, The Maya, je sais pas quoi. Oh là, regardez-moi cette petite esquive passée sous. Oh mon dieu. Ah
quel sac à merde, quel sac à merde. Je lui saute dessus. Je lui saute dessus. Rien à foutre. Rien à foutre. Ah, un petit shinobi. Petit shinobi, ça j'aime bien. 1500 piécettes. Bon, on va tout de suite prendre cette upgrade qui me paraît très importante. Et en plus, on va pouvoir upgrader le shinobi en Okage. Et utiliser le pouvoir de la liche. Soit. En tout cas, il nous reste encore 760 piécettes et on va augmenter son attaque. Il nous faudra 1770 piécettes pour réduire encore le prix que Charon nous prend. Chaque fois qu'on entre dans le château. Ouais, il nous reste 15 piécettes. Joie. Bon, évidemment, on va super vite. Oula, 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 du calme, du calme. Ouais. C'est fallait le faire hein, quand même, se prendre un hit. Au dernier moment, faut pas croire, c'est pas à la portée de tout le monde. Non mais... s'il te plaît, ne saute pas comme un glandu sur les ennemis. N'offre pas ton boule aussi facilement. Ah oui, le tableau en mode je le savais pas, mais j'étais quand même Ken. J'accepte. J'accepte. Ça me paraît normal. Petite esquive. Ah, peut-être Caféinoman, effectivement. Allez, encore une entrée de journal. It is still night. Ça doit être l'étonnel. Je ne me suis jamais senti aussi puissant et en même temps challenged et en même temps défié. Oui, non, mais alors vraiment, il va falloir que je me fasse aux touches. Oh, petit ralentissement quand même là. Hop là! Ne paniquons pas, tout va bien. Ça, c'était du grand jeu, ça. Oh, nouvel ennemi. Qu'est-ce donc? Non, non, ce n'est pas un ennemi. Il est confus, il est perdu. Le pauvre. Ah,
Ah ouais, ouais, il est complètement perdu. Ne pas prendre de dommages. Oui, j'ai foncé sur l'ennemi. Oui, oui, je sais. C'était tellement beau. Ah, un petit nain. Et si on prenait un nain? Donc forcément, je ne peux rien acheter avec aussi peu de fric. Et je vais donner 90% de mon fric. Et petit par la taille, hein, mais grand par la force. Hop là! Ah oui, c'est un tableau magnifique, ça. Tout va bien, j'ai perdu la moitié de ma vie. Je ne le prends pas mal. Oh, petit sac de pièces. 100 piécettes d'or, je prends. Non, mais où? Sérieusement? Voilà. Ah oui, oui, il lâche des petites perlouses. Ce personnage. Et ma foi, assez mal élevé. Ah oui, non, vraiment, faut que je me fasse à la physique du jeu parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Hop là. Non, non, mais c'est bien ça, hein, c'est un perso flatulent. On dirait Isaac. D'un coup, on dirait Isaac. Qu'est-ce donc que cela? Oh, magnifique. Eh ben oui, forcément, vu comme t'es placé, je me doutais bien que t'étais pas un vrai tableau. Eh oui, je savais qu'il y en avait d'autres. Un nouveau casque. Le casque du chevalier. Intéressant. Peu de vie, donc là on doit être tout proche de la forêt. Regardez, 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 je ne me fais pas dessus. Bon, tant pis, j'ai envie de dire c'est mon fardeau. Oh punaise. Oh, le déficient psychomoteur. Oh, je m'en fous, je mourrai, mais au moins j'aurai récupéré encore un peu de pièces d'or. Hop. Ah oui, j'arrive quand même au dernier moment à me louper. Je pense très sincèrement que devant autant de classes et de skills, on ne peut que rester sans voix. Oui, il y a le Père Noël en fond. J'ai remarqué ça aussi, j'ai remarqué en fond le Père Noël. C'est bizarre ça, Paranox. C'est très très bizarre.
Ah, il y a un nouveau casque. Allons voir combien coûte ce casque. Ouais, plus 5 en vie. Ouais, 250, ça peut être intéressant. Bon, pas d'autres armes, peut-être. Ah non, trop cher, beaucoup trop cher. Sinon, on pourrait avoir 15% de dommages aux critiques. On va prendre le casque. On va prendre le casque. On se rajoute un chouïa de vie. Ce qui est intéressant. Oui, non, en fait, je ne voulais pas te parler. Oui, non, ne bloque pas le château, je t'en prie. Ah, au fait, Paranox, j'en profite, mais tout à l'heure, il me semble que tu as dit que tu étais à l'heure du Canada. Eh bien, le soir, notre cher ami Mizu, qui lui aussi est à l'heure du Canada, stream donc de temps en temps. N'hésite pas à aller sur sa chaîne, à t'abonner, à te mettre en followers de suite, comme ça, dès qu'il streamera, tu pourras avoir un stream à ton heure. Ce qui sera quand même cool. Malheureusement, j'ai fait le sac à merde et j'ai réussi à me faire toucher. Alors, tout ça pour 100 pièces d'or, j'ai envie de dire, le jeu se fout un peu de ma gueule, mais soit. Ah, on va te linker sa page. On va te linker sa page. Il est modo ici. Et il fait du Isaac. Et il joue divinement bien. Oh non, j'avais attaqué, saloperie. Ah là là, Oli, c'est bas. Hé, hey, Crackball, salut. Bienvenue. Alors comme tu peux le voir, pas du Isaac, en tout cas pas pour le moment, peut-être. Peut-être qu'après je m'y remettrai. Finir la session ou alors en soirée, je ne sais pas. Mais voilà, exactement de ce que Oli vient de parler, de Mizu. Mais non, on ne s'en fout pas, il nous procure des parties de grande facture. Un stratège hors pair qui invente de nouvelles tactiques à chaque fois. Et là, je me fais bourrer. Ouais, j'ai vu Paranox, mais en fait, je l'ai déjà pris. Je suis déjà allé. Ah oui, d'accord, Crackball. Eh bien si. Cet après-midi, j'ai décidé de changer un petit peu de jeu. Comme ça, pour le plaisir. Alors, je pense que c'est pas le live, c'est le jeu qui de temps en temps me fait des petits ralentissements, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça fait depuis bien longtemps qu'il n'y a plus de drop de frame. Ah, toujours, quel que soit le jeu, je mets un point d'honneur à mourir de la manière la plus débile qu'il soit. Parce que sinon, quel est l'intérêt ? Là, j'ai encore failli me prendre une petite touchette comme ça, gratuite au pif. Oui, j'ai vraiment du mal à évaluer les sauts et là où je fais tomber, ce qui occasionne
quelques petits soucis. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment ou à un autre, je vais commencer à bien jouer, normalement. Ou pas. Ah, ne pas prendre de dommages. Bah alors, mais moi j'y suis arrivé. Oh, je suis déçu. Je m'attendais à un truc encore plus compliqué. Bah non. Oh, deux tableaux malicieux. Je peux pas. C'est dégueulasse. Oh merde. Toi, fous-moi la paix. Ah oui, alors tout ça pour ça. Alors là, je suis pas content. Et vous voyez le jeu qui se met à bugger. Ah, encore un peu de texte. Non mais je voudrais péter la chaise, merci. Ah, ça sent encore les embrouilles. Ah oui. Je vais attendre que la grosse boule juste en dessus passe, comme ça je passe à mon tour de manière assez safe et je vais dans un cul-de-sac. Ah, alors la forêt serait probablement à gauche, ici on va avoir l'autre niveau, donc retournons au début du niveau. Ah, c'est très étrange ton problème, Paranox. Oh non! Attendez, on va le faire mieux. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas de la gestion d'ennemis, quoique. Magnifique. Oh, je suis fier de moi. Encore moult argent et un coffre. Oh, saloperie. Non, je prendrai l'or. Bon, il me reste 3 fois rien en vie. Certes. Et je vais probablement les perdre ici, quoique non. Mais tout va bien. Pauvre famille de l'ordinateur. Elle est pourrie, elle est innocente. Ne fais pas de conneries. Oh, il y a un coffre, j'ai 12 points de vie. Je suis sûr que je peux l'avoir. Si j'étais pas mort, je l'aurais eu. C'est logique. Un paladin, un knave, un barbare. On va prendre le paladin. Ah, c'est dommage, on n'a pas assez.
On n'a pas assez pour pécho. Mais on a assez pour encore augmenter un petit peu son attaque. Bien qu'après, il nous restera 300 piécettes sur les bras et qu'on ne pourra pas en faire grand-chose. À part qu'on pourrait aussi transformer, upgrader les mages. Mais non, je vais prendre un petit peu d'attaque parce que j'aime bien. Ah, elle a une rune, c'est vrai. Quelle est cette nouvelle rune? Ah ben, du coup, je suis déçu. Bon, bah soit. Si j'ai 500 piécettes. Afin de gagner plus d'argent. Ah oui, non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Non mais fous-moi la paix. Hop là. Oh là, quelle gestion sans faille de cette salle. Allez, on va descendre. Je le vis bien, je le sens bien. C'est pas du tout angoissant. Non mais je veux la pièce, merci. Qui m'intéressait, la petite pièce. Non mais où? Pour l'instant, une partie qui se déroule plutôt bien. Espérons que ça dure. Le suicide. Ah ben voilà. Fallait bien que j'arrive à me faire toucher. Mais je veux les deux piécettes. Hein. Il est hors de question que je reparte sans. J'avais esquivé les premiers tirs, mais évidemment, juste derrière, je décide de me reprendre ce qui passe plutôt. Mes sacs à merde. Quand un petit peu de texte. La porte vers le trône, la salle du trône, me rend fou. Derrière se trouve le moyen de sauver le roi et ma récompense. Mais il se tient silencieux dans le milieu de ce château. Et se foutant de ma gueule. J'essaie de le pousser, de lui filer des coups de pied, de lui crier « Ouvre-toi, Sésame, mais rien ne marche. » Il y a des inscriptions, il y a des petits dessins marqués sur ses portes. Et l'une d'entre elles, et l'un d'entre eux, ressemble à une bête que j'ai évité dans les profondeurs du château. Peut-être y a-t-il un lien? Pourquoi je tiens absolument à me tromper de touche? C'est très impressionnant.
faut pas que j'oublie que quand je suis un paladin, je peux me protéger. Et quel est donc... Ah oui, d'accord, il faut être petit. Et évidemment, je me dirige vers la mauvaise direction. Sinon, c'est pas drôle. Paf! J'ai réussi cet exploit, j'ai réussi cet exploit. J'en suis très fier. Non mais bouge, imbécile! Oh oui! Une cape de sang. Oh, c'est terrible. Oui. Montons. Ah oui, bravo. Je le vis bien. En même temps, il me restait trois fois rien en vie. J'allais pas aller bien loin. Ah tiens, un shinobi centré. Sans trait de caractère particulier. Ah, j'avais dit, évidemment. Tadam ! Ça me paraît évidemment très important. Qu'était-ce donc oui, la cape de sang qui enlève de la vie, mais qui rajoute le vampirisme. Ah, on est pas mal, on est pas mal, Craig. Peut-être une dernière partie sur Rogue Legacy, et après... retourner faire un chouïa d'Isaac pour finir la session. Parce que quand même Isaac quoi. Oh je me fais bourrer le fion. C'était violent. Ah, ok, cette fois, donc encore l'histoire d'un autre jeu des développeurs Villainous. C'était un Tower Defense retourné à l'envers. Enfin, le concept était retourné. Ah oui, j'ai une rune qui me permet... Ah oui, non mince, on avait dit qu'il fallait que je monte. Ah oui. Je le vis super bien. Ça, c'est ça quand on tape avant de réfléchir. La réflexion est toujours meilleure.
Ah oui, joli. Joli. Ne pas prendre de dommages. Ah oui, d'accord. Ah ouais, les ambiances, quoi. Ouais, les ambiances. Encore une fois, un coffre que qu'on ne peut prendre que si on est tout petit. Voilà, un grand petit peu d'or. Ça fait plaisir. Récupérer encore un petit peu de vie. Qu'est-ce qu'il y a en dessus? Le Maya est à droite. Ah oui, des deux côtés. Bon. C'est visiblement pas la bonne direction. Vais-je mourir? Vais-je mourir? Eh bien non. Incroyable mais vrai. Là par contre. Petite pique dans le cul. Oui voilà, un petit, je suis un petit peu un macogneur, effectivement. Y a de ça. Ben on va prendre un knav. Il n'y avait pas un petit truc sympa. Bah oui. On va prendre encore un petit peu plus de défense. Ça me paraît être une bonne solution. Ah, GG Paradox. Bien joué. Ah oui, alors là, c'est bon, hein, je vais pas me casser le cul pour récupérer 3 pieds 7 et perdre les 3 quarts de ma vie. Oh non, mais c'est dégueulasse. Oh, pauvre pays du PC. Ah, encore un techno damage. Ouh, je le sens bien. Magnifique, magnifique. Malheureusement. Malheureusement, sur le retour, j'ai appuyé sur la mauvaise touche au mauvais moment. Un PV, un PV, je sens que je peux finir le jeu avec un PV. Merci, merci. Hop, hop. Oh merde. Critique. C'est malheureux, mais c'est la vie. Allez.
Je vais arrêter Rogue Legacy pour le moment et on va repasser quelques petites secondes, quelques petites minutes sur Isaac, juste histoire de repiffer quelques Steven. Après une pause, évidemment. Donc, je vous dis à de suite.